Bonjour, bonjour à vous toutes et tous, partisans de la nouvelle ère. Eh oui, j'ai regardé ce que voulait dire Nova Aetas, et ça veut dire nouvelle ère. Fallait le savoir. Maintenant, nous le savons, ce qui veut dire que j'ai mon introduction, c'est formidable. Bienvenue dans cette vidéo de découverte des règles par le biais du. du, du euh, non pas du manuel, voilà, mais du tutoriel. On va jeter un œil, voire même les deux, à ce guide pour le tutoriel. Ça va nous permettre de découvrir vraiment peut-être 70-80% de la mécanique que certains d'entre nous connaissons déjà par le biais de Ciné Temporé, puisque je rappelle que Ludus Magnus Studio avaient déjà fait ciné temporé et ils ont conservé, je crois, hein, 90-95% de la mécanique de ciné temporé. Euh, J'ai fait le déballage hier. Nous sommes aujourd'hui vendredi 23 août et avant de se plonger dans le week-end, bah histoire de se mettre bien, j'avais envie de pousser suite au déballage la découverte de... Nova etas et renaissance. Alors d'ailleurs, tiens, suite au déballage, je tiens à signaler que j'avais zappé une chose. Et quand j'ai fait le dépunchage, après avoir fini la vidéo du déballage, je me suis aperçu que sur la carte qui n'est absolument pas en néoprène, hein, je croyais que dans la boîte avec les stretch goals stretch goals, euh, on aurait une carte en néoprène, mais pas du tout. Par contre, la bonne surprise, c'est que... On a cette grande carte d'évolution pour notre campagne, et derrière j'ai pas vu, mais on a le plateau de repos, donc on verra à quoi ça correspond si on l'évoque dans le tuto et si c'est pas le cas, eh bien j'irai voir dans les règles ce que ça raconte en tout cas à vue de nez comme ça, on voit qu'on peut aller chez le chirurgien à la caserne. L'église, au marché, à l'auberge, dans les bains, chez l'artisan ou voir son mentor. Ça implique pas mal de choses à pouvoir faire dans ces différents lieux. Ce qui peut être quand même vachement sympa. Ça, c'était pour la carte. Et puis, une chose aussi, mais j'étais persuadé d'avoir vu ça, mais si ça se trouve, non. Merci d'ailleurs pour vos commentaires, les différents retours hein, que vous avez pu faire. Euh, les plateaux joueurs, là, ils sont cosa, ça. Que ça, ça, en deux parties, mais il me semblait que j'avais vu ça au déballage. Ça allait prendre pas mal de place, alors bah, j'allais dire dans quel sens euh, frédéric commence pas. Forcément, il n'y aura qu'un seul sens. Celui-ci, c'est-à-dire le bon. Mais ça, ça va être encore une fois l'apprentissage des règles qui va nous en dire plus. Alors, on commence par ce tuto. Un livret qui est intéressant, je vous le rappelle, c'est ce qu'ils ont appelé manuel. Et en fait, manuel, ça reprend tous les termes, j'espère en tout cas tous les termes, euh, notamment les mots-clés, mais tous les termes du jeu. Donc c'est un mémo condensé, c'est vachement bien euh, à, à lire impérativement. On a même les, les mémos sur les jetons de statut, qu'ils soient négatifs, positifs, les pions, neutres, enfin bref, il a l'air vraiment bien fichu. à voir quelle photocopie je pourrais faire plutôt que de balayer euh, en cours de partie comme ça, d'avoir à le, à le triturer au moins sur les 3-4 premières parties pour se mettre tout ça en tête. Alors ça veut dire que pour l'instant, le manuel des stretch goals, pas besoin, les règles en soi, pour l'instant, pas besoin, on ira chercher ça s'il si nous le demande. On va démarrer tout de suite à lire en premier en plus. J'ai envie de dire, on n'a pas le choix les crédits, on va passer, la table des matières donc le manuel en soi, comment on va l'utiliser, la mise en place du héros et puis un, une introduction qui s'appelle une mauvaise journée avec mise en place de la mission. Les cartes l'horologium, tiens d'ailleurs, oui, j'ai monté l'horologium. Il est Alors c'est une horloge mais un horologium Horologium, ça va être compliqué à se mettre ça en bouche. En tout cas, il est magnifique, vraiment magnifique. Ça tourne bien. On n'oublie pas qu'on a à la fois la grande aiguille et la petite aiguille qui vont servir à deux phases différentes, enfin pour deux moments différents. Ça, on va pas le mettre trop loin. Donc, on y va. Bienvenue dans le monde de Nova Aetas Renaissance. Lors de la partie, vous serez immergé dans l'Italie de la Renaissance, une terre riche en génies et artistes de la trempe de Léonard de Vinci, Giovanni de Médicis, Machiavel et bien d'autres encore. L'histoire que vous vivrez est basée sur des faits historiques réels enrichis d'éléments fantastiques. Ce guide. Vous conduira à travers une mission détachée de la campagne principale, ce qui vous aidera à comprendre le déroulement de la partie et les actions disponibles au cours de vos parties. En utilisant ce guide, vous pourrez faire face à la plupart des situations de jeu. Cependant, pour jouer la campagne, vous aurez besoin de garder le livret de règles à portée de main lors de la partie de tutorat, vous apprendrez les règles en jouant. par la suite, si vous avez des questions, vous pourrez vous référer au livre de règles. oui, 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 comment utiliser ce guide? ce guide contient des cartes représentant les cartes mission. alors, les cartes mission, je ne les ai pas. Déballé pour l'instant, je voulais vraiment tout garder intact. Avec une interrogation quand même, c'est que on a des numérotations qui ne se suivent pas. Là, par exemple, on a la 1.3, 1.8, 2.2, 0.5, 0.8 et la 1. Bon, je suppose que dans l'un de ces paquets, on va aller chercher celui qui va correspondre vraiment au tutoriel. Donc, euh, le guide contient des cartes représentant les cartes missions du jeu généralement conservées dans des enveloppes numérotées. Ces cartes vous guident dans la mise en place et les règles spécifiques de chaque mission. Ces règles ont toujours la priorité sur celles qui sont écrites dans le livret. Les cartes missions sont de différents types et peuvent contenir des règles, des lieux, avec lesquelles vous pouvez interagir ou le profil d'ennemis spécifiques. Les cartes mission vous renvoient à des paragraphes spécifiques du livret de mission. Pour cette mission, elles sont imprimées dans ces pages qui contiennent plus d'informations sur le contexte narratif et vous permettent de réaliser des actions spéciales ou de trouver des objets liés à la mission. Les noms en rouge-gras dans ce guide indiquent des sujets qui sont expliqués plus en détail dans la partie correspondante du livret de règles. Ça a l'air très bien fichu quand même. Si vous lisez ces parties pendant la partie didactique, vous aurez exploré la plus grande partie du livret de règles à la fin de celle-ci. Alors, attention ça me rappelle la traduction en français de ce euh, jeu que j'ai maudit après coup, euh, Vampire la mascarade Chapters. Attention aux répétitions de mots, messieurs les traducteurs. En deux phrases et demie, enfin en deux lignes et demie, on a trois fois le mot parti. Ah, à l'oreille c'est un petit peu, un petit peu rugueux. Si vous lisez, c'est parti pendant la. Partie didactique, vous aurez exploré la plus grande partie du livret de règles. Bon, j'espère que ils se seront calmés après. Attention, une règle d'or Nova Aeta c'est un jeu complexe, mais pas compliqué. En tant que tel, vous pouvez être confronté à des situations floues qui ne sont pas directement abordées dans les règles. Dans ce cas, essayez de toujours faire le coup. Qui profite le plus aux ennemis Alors, oui et non. Hein euh, moi, j'ai plutôt tendance à, selon l'humeur, à, à jongler entre ce qui va profiter aux héros et ce qui peut, oui, bénéficier aux ennemis. Le mémo sur les cartes mission. Dans cette mission de tutorat, vous les trouverez imprimées dans ce livret. Pour les missions de campagne, elles sont stockées dans l'enveloppe portant le numéro correspondant à la mission en cours qu'il vous faut ouvrir pour commencer à jouer. Alors d'ailleurs les enveloppes, euh, là on a on a on a on a quelque chose de bien numéroté, 0.0 et je suppose qu'on enchaînera après avec 0.1 ouais c'est ça ok vraiment une suite logique et ça nous emmène à combien 2.7 est censé avoir 1, 2, 3

1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 28, 34. Et j'ai repéré hier qu'on avait différentes missions parfois qui s'appelaient de la chasse, notamment. Est-ce que ça va venir encore en plus plus bon, On verra bien. Alors je rappelle que dans, mes, dans ma façon de découvrir les règles, hein, mis à part le fait de suivre l'entièreté du livret qui est mis à dispo. Euh, bah on est là pour triturer, pour aller euh, se poser plein de questions, c'est ce qui fera avancer le schmilblick. Euh, d'ailleurs, 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 ils nous disent bien que là pour le tutorat, tout est imprimé dans le livret, mais sinon, non seulement c'est stocké sur les cartes mission, mais l'aspect narratif, n'oublions pas que nous avons ce classeur avec des trucs et des machins dedans. On verra ça plus tard. Alors, le manuel. Conserver le manuel à portée de main. Alors, le manuel, OK, c'est tout ce qui fait l'intégralité des, des mots-clés. Sa consultation est un bon moyen de se remémorer les concepts du jeu ou la signification des icônes et des jetons. Vous y trouverez également une explication détaillée des caractéristiques et des compétences d'attaque, ainsi que d'autres informations utiles, telles que le schéma d'intelligence artificielle ennemie. Et attention, là, intelligence artificielle ennemie, c'est en rouge gras. Ça veut dire qu'on euh, a un gros morceau expliqué dans le livre de règles. Bonne chance dans votre aventure, que l'accueillante terre italienne vous apporte le réconfort dans vos moments les plus sombres. Ben merci. Merci à vous. Une mauvaise journée. Respectez les étapes suivantes pour installer la zone de jeu. Si vous avez des questions, lisez le livret de règles en cherchant la partie correspondante dans le glossaire. On démarre avec la mise en place du héros. Répartissez entre les joueurs les quatre héros du jeu. Nous avons Valerio, Sofia, Vincenzo et Rebecca. Alors, Valerio, c'est un écuyer courageux prêt à protéger ses compagnons. Ici même, Sofia, une canaille astucieuse et agile. Salut, Sofia. Chenzo, un sage novice qui peut s'occuper des souffrances de ses amis. A ah, donc direct lui c'est un support. On a un tank, une DPS, un support et Rebecca, une apprentie mage prodige. Alors Rebecca, elle sera ou DPS ou support aussi. Les trois autres, je les enlève. J'ai toujours pas ouvert pour l'instant la, la boîte spéciale qui va nous amener euh, des héros et ennemis supplémentaires. On verra ça. Voici nos quatre héros. Donc on les répartit. Très bien. Si vous jouez avec moins de quatre joueurs, quelqu'un devra utiliser plus d'un seul personnage. Donc c'est bien ça, comme dans euh, beaucoup de jeux. Il euh, n'y a pas de système qui va faire que le jeu s'adapte au nombre de héros présents sur le plateau, mais on aura forcément quatre, une compagnie de 4 personnages. Chaque héros a deux fiches. Deux fiches de compétences et 9 cartes d'équipement. Ah bon Chaque héros a deux fiches de héros. Deux fiches de compétences. Ok, trois cartes équipement de départ. Fiche de compétences de base. Donc pour chaque héros, prenez la fiche du héros, la fiche de compétences et les cartes équipement associées à sa classe de base, celle avec un fond vert. Remettez les autres éléments dans la boîte, ils seront utilisés pendant la campagne. Insérez chaque fiche de héros dans un plateau de héros. On va faire ça. Alors attention, au cours de cette première mission, vous aurez accès à certaines compétences qui seront perdues à la fin du scénario avant le début de la campagne. Vous pourrez ainsi apprendre leur fonctionnement. Insérez un cube héros dans la case dédiée aux compétences suivantes. On a attaque du faucon pour Valerio, visée juste pour Sofia, astrologie pour Vincenzo. Et concentration pour Rebecca. Alors deux secondes. Et c'est là où on va voir que en termes de place, ben on va en avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Heureusement, j'ai un grand Bural. Alors nos quatre plateaux. Ah tiens, j'ai oublié des cartes. J'ai oublié ce paquet-là. On verra au moment où et puis un autre qui était planqué au fond de boîte ça ça fait référence à nos à nos ennemis. Alors 1 2 3 4, ils le prennent bien dans ce sens-là. Par contre, l'astuce ah mais OK, je viens de comprendre une chose. Ah oh, bah c'est bien frais c'est que en fait notre fiche de héros elle viendrait se mettre euh, entre les deux ah je pense que je dis ça je suis en train de rechercher nos futures fiches en prenant les bonnes c'est-à-dire que ah il y a deux plateaux supplémentaires le reste pas besoin donc ça impliquerait... Ah, au déballage hier, on a vu qu'en fait, après, on avait des, des fiches, mais qui allaient correspondre à une évolution de personnage. Et là, c'est bien foutu. On a un fond vert. Pareil pour les cartes équipement. Il faudra aller chercher le fond vert. Donc ça voudrait dire que... Ça voudrait dire que je suis censé... Et ouais... Ah oh, mon dieu. Ah, je vais peut-être les garder parce que dans d'autres jeux ça peut servir un, un indicateur de flèche comme ça Et on va mettre ça là loin ah bah non ah bah non ah bah non fiche de compétences de base ça y est je bug est-il que ça il faut bien le dépuncher à ah, sa coin souille Ah ouais c'est au niveau du chaque picot là tac 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 voilà alors dans l'ensemble le dépunchage de tous les jetons hein, toutes les planches même pour la construction des bâtiments franchement c'était très très bien voilà, et là c'est pas mal non plus. Bon, alors, fiche de compétences de base. On va trouver ça où Ah ok. Ok, ok, donc Sophia, on est comme ceci. Et ben voilà Donc j'ai dit une bêtise à deux reprises, en fait, notre personnage il est pas comme ça moi je partais dans l'esprit ouais on fait comme ça puis en dessous on a une autre fiche à, à poser pas du tout c'est une prise en sandwich bah ben, c'est pas con donc ça impliquerait que ça c'est un, un mémo donc il faut que tout ça s'avire et qu'on aille récupérer ah bah ben, c'est bien ça ah, j'ai oublié une petite chose pour sophia c'est ça Tac. Voilà. Alors, ce que je vais faire, une petite pause, de façon à aller préparer les trois autres plateaux. Et puis, je nous en reviens à tout de suite. Voilà qui est fait. Alors, euh, on doit se retrouver avec tout ce qui concerne le fond vert. En plus, pour ne pas se tromper, là, on a bien... Les mots-clés apprentis, novice, racaille et écuyers. Et on a vu que là, en bas de la page, on avait bien dans le descriptif Valerio, un écuyer, Sophia. Alors, canaille, racaille, c'est kiff-kiff. Je pense que c'est kiff-kiff. De toute façon, pour Sophia, normalement, on ne va pas avoir de mots-clés canaille. Alors, ça, ce sont toutes les autres cartes rappel, ah si racaille ah oui non c'est bon c'est bon, c'est bon, c'est bon elle peut être tueuse ou euh, escroc donc on est bien on est bien, on est bien en ce qui concerne les plateaux, pour les cartes et eh ben en fait il y en a un sacré paquet euh, on a des, des équipements avec un dessin qui sont propres à chaque, euh, chaque héros et dans ces paquets d'équipements on en retire bien Certaines cartes qui sont sur fond vert. Donc, pour Sophia, elle a des couteaux de lancer, un grappin et un capuchon. Équipement de départ, oui, en plus. Et c'est vachement bien, c'est noté ici même. Donc, si on ne se trompe pas, équipement de départ, équipement de départ, équipement de départ. Alors, on n'en a que deux sur fond vert pour Miss Rebecca. Équipement de départ, et oui, c'est la seule qui n'en a que deux. Ensuite, pour Vincenzo, on en a bien trois aussi. Donc, tout le reste, je ne suis pas censé trouver de mots-clés euh, de départ. Là, on a bien de, de l'équipement avancé. Tout ça, ce sera débloqué quand on aura bah, suffisamment avancé. Dans notre campagne, on est bon. Tiens, ça c'est pour le petit, gars, le petit gars en plus qui était en stretch goal. Avancez, ah, avancez. Ah non, 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 j'ai dit une bêtise. Ok, d'accord. Là où j'aurais pu me planter, c'est que le fond vert, il n'est pas présent. Mais par contre, on a bien l'indication équipement de départ. Donc c'est important quand même pour bien démarrer. Ensuite, dans le reste des paquets qui sont liés à nos persos, on va avoir des destinées. Des cartes numérotées liées à la destinée. Ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Futur équipement, bon, je mets ça là. Et on est on est on est on est censé être pas mal. Alors ça, je verrai à quel moment on va en avoir besoin. Pour l'instant, on a Valerio, Rebecca, Vincenzo et Sofia. Waouh, comment je vais mettre ça, ah, ça Ça va être le foutoir, mais on est dans la, la découverte prépa. Ça veut dire que nos cartes, nos cartes, nos cartes vont être sur chaque. Perso. Alors, on se met ça en tête. On a donc des couteaux de lancer, un capuchon et un grappin. Avec le grappin, on gagne escalader plus 1. Avec le capuchon, c'est une armure. La valeur de truc-muche des ennemis est considérée comme inférieure de 1 jusqu'à un, jusqu un minimum de 1 par rapport à la nôtre. Et puis on a des couteaux de lancer, c'est une arme avec des caractéristiques. Et un mot-clé mortel. On a les symboles comme quoi les couteaux de lancer c'est pour une main, l'armure de torse et un objet pour le grappin. Valerio, qu'est-ce que tu vas avoir toi Une épée qui permet de plaquer, un bouclier, ça va dans l'autre main, donc là ces deux mains sont occupées. Donc un bouclier en protection et puis une armure de cuir, résistance 1. Vincenzo, tu as en objet une sacoche de chirurgien, en arme un encensoir qui permet d'étourdir ou de brûler, alors en fonction des résultats des dés. Hein. Et en objet aussi, c'est même un artefact, il a une relique. Pour une consommation de deux temps, il peut recevoir un jeton béni. Rebecca. Miss Rebecca, tu as un éclat d'énergie, c'est un artefact. Une dague en tant qu'arme. En équipant cette carte, vous gagnez insaisissable. Et un parchemin de flèche arcanique avec en fonction des résultats D des des, euh, des des implications de résultats. On nous a parlé aussi de vous aurez accès à des compétences qui seront perdues. Bon ça d'accord, insérer un cube héros dans la case dédiée aux compétences suivantes. Ah oui. On a les sachets là. Les sachets de cubes donc il va nous en falloir 4. Pour démarrer, Vincenzo, on a dit non Valerio, attaque du faucon, elle est là. Visez juste pour Sofia qui est ici. J'aimerais que astrologie soit attribuée à Vincenzo et Rebecca. Tu auras la concentration. Concentration. Voilà nos plateaux de démarrage en fait. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite C'est que selon les futures classes de personnages que l'on prendra en évolution, ça va être indiqué là prédicateur ou médecin. Ah ouais, d'accord. Ce sont les conditions requises pour aller chercher la future planche. Il me faudra trois compétences de novice et un bouclier béni si je veux que Vincenzo passe prédicateur. Et si je veux faire de lui un médecin, il faudra trois compétences de novice comme en haut. Mais par contre, il me faudra une robe de l'ordre. Ok, bon ça, ça fera partie de notre évolution. Voici notre mise en place de héros. Après. On progresse pour aller chercher. Assignez à chaque héros un périlium et deux cubes héros. Périlium et deux cubes héros. Placez-les sur la piste des points héroïques. Sur la piste des points héroïques. Ah. Ça a l'air d'être ça. placez -les sur la piste des points héroïques en chargeant ces points. Les héros peuvent libérer leur puissance. Leur puissante compétence héroïque utilisable une seule fois par mission. Et le second cube, c'est sur la compétence du héros indiqué ci-dessus. Dans la compétence, ouais, c'est ce qu'on a fait, euh, ce qu'on a fait ci-dessus, c'est-à-dire ce qu'on avait là. Insérer un, un cube héros dans la case dédiée aux compétences. <coughs> ok, euh, donc oui, les péridiums, les les, des périlliums qui sont ici, chaque héros en a un alors. Suppose que on démarre à 0 ça va de 0 à 15 Ils sont très jolis, hein. vraiment très très jolis. Ça boîte du carton. Ils sont fun. Allez zéro pour tout le monde, bien sûr. Ça me rappelle les compteurs de Gloomhaven entre autres. Et j'aime bien. J'aime bien ça, les compteurs. Et puis on se récupère encore quatre cubes. Et visiblement, on est comme ça à zéro. Ça me perturbe que les, les cubes soient de biais. Tac, tout le monde est à zéro. Et plus on va pouvoir charger vers la droite, plus on va pouvoir libérer euh, un effet dévastateur. J'espère que ce sera ça. Bien, périllium c'est fait. Prenez les quatre figurines de héros. Oui, we've got it. Ils sont là. Placez tous les dés et les jetons à portée de main. Alors, les jetons, pour l'instant, j'ai mis ça un petit peu en tas de bouse euh, dans deux bacs. Euh, deux bacs, comme ça. Bon, on ira voir euh, à quoi correspondent les uns les autres. Ça ça va être des jetons à retrier rapidement parce qu'on va en avoir besoin sur les jetons d'activation. Et pour l'instant, on doit récupérer les dés. Alors, très jolis les dés, c'est vrai que je ne m'étais pas attardé dessus hier au déballage, mais quand on les voit de plus près, ils sont vraiment chouettes. Alors, attention parce que on va avoir une lecture sur chaque face avec non seulement un chiffre, mais aussi des symboles qui vont apparaître. Donc il va falloir faire attention. Les dés. Oups, là voilà, ça commence, les conneries, Frédéric. Frédéric le fébrile. Donc les dés pas loin et puis les différents jetons. Nous vous suggérons de diviser les jetons en quatre groupes. Les statuts positifs en bleu clair. Oui, j'ai fait ça. Comme ça. Les statuts négatifs en rouge. Euh, les blessures. Alors les blessures. Ah ouais, c'est ça. Bon, classique. Les blessures, pas mal. Et tous les autres. Ouais. Quatre catégories, oui, effectivement. Une, deux, trois. Et la quatrième catégorie, ce sont tous les autres. À savoir, les jetons statuts, les jetons événements, les jetons mystères. Ok. C'est les cartes blessures et les cartes réactifs à portée de main. Alors, les cartes blessures, j'ai dissocié des petites choses. Enfin, au final, ça fait un gros paquet de dissociés quand même. Donc, ça, ça va être les cartes blessures. Ok. Portée de main. Euh, ainsi que les cartes réactifs. Alors ce que j'aime bien quand on découvre les règles, c'est qu'on tripote tout. Ah non, réussite. Ah ah où est-ce qu'ils sont les réactifs Ah ouais, les réactifs, je crois que c'est ce que l'on va trouver en en tant que récompense de mission. Elementum. Alors, Alchiméa en font partie. Et on voit là le symbole de la carte sur fond, enfin rouge. Ça, ça en fait partie aussi. Des récompenses à part. Ah, il faudra que je ressorte mes supports de cartes de visite hein, pour mettre tout ça bien. Je m'étais dit dans ma petite tête pourquoi ne pas conserver un fond de boîte. Euh, de la boîte euh, de rangement mais en fait non ça va pas être pratique parce que d'une part ça, ça prend de la place et elles sont pas bien catégorifiées euh, donc 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 les supports de cartes il n'y a que ça devrait assigner l'horologium à un joueur qui le gérera pour la durée de la mission ben, moi même par exemple chaque joueur prend le jeton activation de son héros alors là par contre, on en a des grands et des petits. Os. Moi, ce que je veux, ah ouais, j'aurais peut-être dû les trier avant, oh là 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 là, on en a beaucoup hein, bah oui, c'est normal, euh, tiens pourquoi toi, ouais, ok. Ceux où il y a un chiffre derrière, ils sont plutôt assignés aux ennemis. Alors par contre, on a un fond vert, un fond rouge, un fond bleu et un fond marron. Ah, ça doit être en fonction des factions. Et oui, c'est vrai. Tiens, toi, tu es qui Trois bleus. Ah non, c'est notre mistinguette, ça. Pas ah pas du tout pas du tout du tout du tout bon continuons de chercher et si ça se trouve je les ai carrément pas mis là dedans ah euh, d'ailleurs la autre chose ça c'est qui donc terrain est est-ce que nos jetons vont être quelque part par là non oh oh Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise C'est pourtant pas mon genre. Hein. Ah bah, ok. D'accord, super. Ils étaient dans la boîte, mais de côté. D'où l'intérêt, quand on peut, hein, quand on a la place chez soi ou dans une pièce qui est dédiée, de laisser installer et puis d'avoir une... Au moins un carré de 50 par 50 sur lequel on va pouvoir laisser à disposition euh, constamment tout ce qui a attrait au héros pour ne pas aller chercher ça, euh, que ce soit galère. Bon, mais encore une fois, en même temps on découvre, on prend notre temps. Euh, le reste des jetons, allez, on va mettre ça loin là-bas. Et on nous a dit quoi donc euh, bah, qu'on prend nos jetons d'activation. D'activation des héros, ils sont là. Mise en place de la mission. Disait maintenant la carte 0 ci-dessous. Il s'agit de la première carte de cette mission dont le verso est toujours foncé. Alors attention, là je, je ne vais pas chercher les cartes dans les fameux paquets, hein, puisqu'on nous avait bien dit que. Euh, pour cette mission-là, tout était inscrit dans le livret. Waouh, encore faut-il qu'on arrive à la lire. Waouh, matériel de jeu une tuile 1A, un deux arbres, un buisson, une maison qui fait 3 par 3, un point de concentration, un tueur, un stradio, un jeton événement. Et dessous, on a une indication de légende, héros tueurs stradio. Lisez le paragraphe 1.0-1 qui va être ici. Alors, cette carte indique tous les éléments et figurines nécessaires à la mission. Prenez donc les éléments indiqués dans la boîte. Dans cette mission d'apprentissage, l'une des cartes ennemies, celle du tueur, sera prise dans le paquet de cartes ennemies. Tandis qu'une carte mission spéciale sera été utilisée pour le chef de l'alliance, représentée par la figurine de Stradio. Pour ne pas gâcher la surprise, vous serez invité à prendre des éléments supplémentaires au milieu de certaines missions. Ça, j'adore. La carte ne mentionne pas les jetons, les dés et les éléments de jeu de chaque joueur. Comme les fiches de héros, les fiches de compétences, les cartes équipements, etc. Car ces éléments peuvent varier en fonction de l'évolution des héros. Si les composants mentionnent un type d'ennemi spécifique, vous devez prendre, en plus des figurines de cet ennemi, sa carte ennemie et son jeton d'activation. Alors, dans les tuiles, elles sont bel et bien numérotées. Ce qui va être pratique. Euh, je me demande à quel moment par contre les tuiles débloquées par les stress goals euh, vont servir. 5A, 5A. Là, on a dit qu'on avait besoin de la tuile 1A. Ah bah tiens, ah bah, Agade, euh, pas du tout. 1V, 4B. D'accord, donc c'est numéroté comme ça. 3B, 1B et on veut le recto 1A. Voilà. Ah alors on va remanier, faire un, un remaniement de tout ça. Euh, tous les deux, vous allez par la gauche, tous les deux vous allez par la droite, ce qui nous permet de placer un A. alors je suppose comme avec ciné temporé on ne va pas avoir de sens à proprement parler sur, euh, sur la tuile on la met comme on veut et ben moi je veux qu'elle soit comme ça oh oh on a besoin de deux arbres voici les narbres pour l'instant on sait pas où on les place hein. on a besoin d'un buisson Il sera là il ah. va falloir mettre ça un peu mieux euh, ah oui, alors une maison qui fait 3 par 3. Les maisons sont très chouettes. Hein. Euh, c'est vrai que je ne me suis pas tardé dessus hier, mais 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 la super bonne surprise, c'est que on a deux variantes à chaque fois. Alors le montage, il n'y a pas plus simple. Hein. Ça s'emboîte direct. Avec... Un premier visuel de maison plutôt de ville or et ce qui est top c'est que on peut faire le montage de cette maison plutôt campagne Vous voyez il suffit de de tout euh, tout démonter et puis d'utiliser l'autre l'autre face ça c'est vraiment top et c'est comme ça, bien sûr, pour toutes les maisons. Donc on en a deux qui font euh, 3 par 3 et deux qui font euh, 2 par 4. Que ce soit intérieur ou extérieur. Pour l'instant, on nous demande d'en prendre une qui va faire 3 par 3. Une porte quelque part. Ouais, voilà, une porte là. Le toit plat, parce que n'oublions pas que dans... dans Etas, on peut monter sur les bâtiments. Alors un tueur, un stradio, un jeton événement. Euh, ouais. Alors jeton événement, ça va être quoi par contre Ah, la bonne question. Bah, de toute façon, ils vont nous le dire un peu plus loin. Euh, dans la partie inférieure de la carte. Ici, partie inférieure. Il vous sera toujours indiqué quel paragraphe lire ou quelle carte révéler. Lisez maintenant le paragraphe 1.0-1. Voilà, ici. Alors, le tueur. Ah ok, le tueur, c'est le mec avec les deux flingues. Que j'aimais bien. De toute façon, honnêtement, toutes les figurines, j'ai plutôt tendance à dire que je les aime bien toutes. Donc, on a un tueur. Et alors, le stradio, euh, on ne sait pas qui c'est. Tueur, il va falloir. C'est toi. Ok, en bleu. Ah, ça peut avoir un intérêt dans ce cas-là de faire des sachets. Quatre petits sachets pour les quatre factions. Pour que ce ne soit pas trop galère à aller récupérer. Bon, en même temps, ça. Pour aller les chercher ça fait partie uniquement de la mise en place donc euh, donc 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 ouais mais quand même j'ai envie de dire ouais mais quand même et donc qu'est ce que c'était quoi mon interrogation c'était l'histoire alors déjà il va falloir aller récupérer la carte du méchant et un point de concentration qui ressemble à un un jeton plutôt rouge. Est-ce que c'est ça Non. aussi, oui, on va dire que c'est ça. Alors attention, je dis bien on va dire que, hein. parce que parce que euh, pour l'instant on n'a pas encore euh, découvert tout le matériel. Euh, remarquez, il y a une petite chose. <laughs> jeton de feu, jeton blessure, jeton furtivité, personnage activation événement transformation. Mystique. Ah, voyez, je m'attendais à trouver ça très vite et très facilement dans le dans ce qui répertorie les jetons, personnages, pro, activation, statut positif, négatif, mystère. Je ne voit pas les jetons concentration. Furtivité, notre blessure. Bon. bon c'est peut-être moi qui, qui suis allé trop vite. Hein. Carte ennemie, d'accord. Et les cartes draft d'ennemis. Bon, on verra. Par contre, une chose à faire là maintenant, tout de suite, c'est de dire bonjour à nos, à nos ennemis. En termes de diversité, bah visiblement, il y en a quand même pas, Pardon. Il y en a quand même pas mal. Hein. On l'a vu avec le nombre de figurines dispo cardinal, garde du pape, garde sacré, garde suisse, gardien suisse, nonne. Et là, on a une première faction. Donc, par faction, on en a deux, quatre, six. 6 ennemis, 4 x 6, 24. 24 ennemis différents. Stradio, arquebusier, gitane, noble, tueur, garde moldave. Ok, donc nous, on va avoir besoin du tueur. Ce qui permet d'aller voir la tronche d'un Stradio. Alors, le Stradio, il a deux armes aussi une barbichette et une coiffe. Une barbichette et une coiffe. Mmh. Ah, ce serait lui. Ouais, ok. D'où l'intérêt, alors j'allais dire, d'où l'intérêt d'avoir ça. Le support pour le faire de couleurs différentes par rapport aux factions. Mais euh, autant mettre directement, comme on fait d'habitude, la couleur autour du socle. Donc on a un tueur et un stradio. Tac tac. Ah, gitane, ennemi. Alors j'en viens au visuel là. Moi je suis euh, je suis à fond dedans. Hein. Vraiment 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 à fond dedans. Après en autre type d'ennemis dans la découverte on a des lanceurs, des lanciers, des guerriers, des maraudeurs, les brutes et sorcières. Là, on a que trois factions par contre pourquoi ressusciter mouton rien à voir miel rouge sang qu'est c'est que ça euh, Ah, j'avais pas vu ces d'autres cartes Ils sont spéciales non spéciaux même et ça ressuscité mouton ce sont des des, des, des euh, encore choses particulières alors 3 x 6 18 ça veut dire qu'on il me manque une faction, là. On était bien à... Ah non, pardon, il y a trois factions. Donc, on a 18 ennemis différents. Ok. Ça se précise, ça se précise. Donc, euh, la faction, celle-ci, et les et vies, on n'en a pas besoin. Ça vire gentiment sur le côté. Euh. On a un type au corps à corps et un type à distance deux contre quatre. Je ne suis pas sûr que ce soit équilibré à quel moment on nous dit de placer de façon spécifique le terrain ok ça va être un petit peu plus tard. Tout va bien. Vous avez été engagé par un riche marchand romain. Il semblerait qu'un petit groupe de bandits. Et voler un objet de valeur dans l'une de ses calèches sur la route de Rieti. Il vous dit que vous serez largement récompensé si vous retrouvez l'objet appartenant à sa famille. Ce médaillon est tout pour moi. Révélez la carte 1. Là, on a un symbole carte 1. Tiens, d'ailleurs, en parlant de symbole, pour que ce soit facile, ici, on a la liste des icônes. Donc, si c'est bien foutu, on est censé retrouver l'icône ⁇ Carte mission ⁇ Bon, ça va, c'est bien foutu. Ça me rassure. Donc, révéler la carte 1, à partir de maintenant, les cartes mission seront représentées par ce symbole avec le numéro de la carte à l'intérieur. Comme pour les cartes, les paragraphes du livret de mission peuvent conduire à de nouveaux paragraphes à lire ou à des cartes à révéler. Dévoilez maintenant la carte suivante du paquet, la numéro 1. Carte 1. Cette carte indique généralement comment préparer la mission, où placer les plateaux, les éléments de décor et les figurines de héros et d'ennemis prises auparavant, et où placer les jetons d'activation sur l'horologium. Oui, je sais, je n'ai pas encore pris le jeton d'activation du Stradio. Donc là, la carte 1 nous fait référence à la mise en place. Avec... Je vais les placer ici devant, comme ça je pourrais les choper facilement. Et puis ça commence à faire un, un semblant d'entraînement pour les futures parties. Donc on serait comme ça. Arbre, arbre, buisson. Un bounoum là la maison comme ça. Ah ouais, c'est Rikiki. Hein. Nos quatre héros. On arrive là et ici, on est censé avoir une tuile 5B. Alors, 5B, ça va être celle-ci. Petite, tu, petite tuile de placement. Ouais, c'est ça, 5B. Tiens, c'est étonnant qu'on la place côté pavé alors que on, on a une tuile de... On a une tuile d'extérieur. Bon, peu importe. Nos héros vont être là. Alors, basiquement, hein, moi je mets les deux ce que je considère comme étant les moins costauds à l'arrière. Avec Valerio devant, histoire 2. L'horologium, départ, on démarre en 5-15. Bon, tout ça, ça va être détaillé là, mais enfin après, on verra. Euh, Bélier, héros. Ah oui, Bélier, ce sont les signes du zodiaque. En taureau, on a le tueur en lion, on a le stradio et en scorpion, on a un jeton événement. Et on lit ensuite le, la carte, enfin, paragraphe 1.0-2. Alors, une légende des icônes figurant sur la carte se trouve à la fin du manuel. Oui, 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 oui. À la fin du manuel, bim, on est bon. L'horologium. Avant de poursuivre, voyons comment fonctionne l'horologium. Ce mécanisme est divisé en secteurs. Chaque secteur est caractérisé par trois éléments la couleur noir blanc, les signes du zodiaque et les chiffres romains. Yes. L'horologium dispose également d'une aiguille des minutes. Alors, c'est la grande aiguille des minutes qui active chaque secteur lorsqu'elle se déplace et qui comporte la piste des heures au dos et d'une aiguille des heures. Et d'une aiguille des heures. Bah oui, euh, l'aiguille des heures, forcément, ça va être numéroté de 1 à 12. Ok, tiens, pose-toi là en attendant. Ah, toup, 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 une aiguille des heures qui est utilisée pour commencer et terminer la mission, mais qui peut également être utilisée pour vérifier le moment où se déroulent certains événements. Ah, bah le voilà, mon jeton événement, il suffisait de demander. Donc là, je peux aller le choper facilement. Ou pas. bah Bien sûr, c'est celui-ci. Euh, et on est en 10. Et là, alors, idéalement, ça va être de le laisser, l'horologium constamment du même côté et on nous a dit qu'on démarrait en 5-15 départ 5-15 ouais. lorsque l'aiguille des minutes atteint un chiffre romain elle active le secteur correspondant celui qui suit le chiffre par exemple le chiffre 12 active le secteur du capricorne Tandis que le chiffre 3 active le secteur du Bélier et ainsi de suite. Ouais. Lorsqu'un secteur est activé, les jetons qu'il contient sont activés. Tous les héros et ennemis dont les jetons d'activation sont activés peuvent réaliser leurs actions. Donc en Bélier, alors eux ils le placent comme ça. Euh, ils appellent ça bélier. Alors pour moi c'est plutôt un taureau, mais enfin bon. En bélier on a nos jetons d'activation des héros. Euh, on nous a dit ah non pardon, c'est moi qui dédire. Là on a vraiment la, la tête d'un bélier. Ah d'accord. Ariès c'est ça veut dire bélier. En taureau on a le tueur. Ça, ça, dégage. Et le Stradio, on a dit qu'il était en Lyon. Léo. Alors, il va falloir s'habituer au nom romain. Euh, pour, 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 pour euh, bah, s'habituer. Stradio. Alors, le Stradio, on sait qu'il est bleu. Donc, ah bah tiens, c'est celui-là même. J'ai envie que ce soit toi. C'est ça ou pas non, même pas. Si on peut le trouver vite. Non. Non. Bon, on ne l'aura pas trouvé vite. Vite et propre. Ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je vais dire que le stradio, ce sera quand même lui. En lion. Et il nous manque un élément quand même. La grande aiguille, ils l'ont fourré où là Ils l'ont fourré juste avant. Eh oui, c'est logique. Comme ça. C'est moi qui ai mal lu. Départ 5-15. Ouais, bof. Et la petite aiguille, par contre. Euh, tout dépend. On sait être 5. Eh. On serait comme ça. À confirmer. Mais, 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 pourquoi pas Ce qui nous amène au paragraphe 1.0-2. Les traces des bandits dans la zone que le marchand vous a indiquée sont très claires. Ils n'ont pas dissimulé leur passage. On révèle la carte 2, puis on continue à lire, et ensuite on révélera la carte 3. Lorsque vous voyez ce type d'instruction, vous révélez normalement une carte indiquant le profil d'un ennemi, puis une carte énumérant d'autres règles ou informations liées à la mission. Dans cette mission, la carte 2 montre les statistiques du chef de l'Alliance, qui diffèrent de celles de la carte ennemi standard. La carte profil. Ah, ok. Ok, ok, ok. C'est vrai que... Qu'est-ce qu'on nous avait dit Jeton événement, les maisons, les buissons, point de concentration. Sa carte et son jeton d'activation. Ah non, je croyais qu'il y avait autre chose. Alors, carte profil. Oh chouette, j'avais pas vu le dos. J'ai déballé sans regarder. Et eh bah ben, ce qui va être très cool, c'est pour la, la peinture. Hein. Ah là, il va falloir deviner un petit peu quand même. Euh... Ouais, non, on est sur du cuir, hein. on s'embête pas. Euh, mais là, par contre, le ouais, ouais, schéma de couleur, ça va être bien. Par contre, ça implique une chose, c'est que la carte profil, je ne l'ai pas encore révélée. Où est-ce que ça se cacherait Ça correspondait à, 3... à quoi, meneur Cardinal gnagnagna. Je peux pas retrouver ça ici. Oh, derrière, on a les visuels Ils sont cool. Qu'est-ce qui me restait comme carte Aïe. Là, que je me coince le doigt, le didi. Que ce serait ça. Là, J'ai pas le choix. Hop Vous avez vu la technique pour pas s'enquiquiner Sans écorner, il y a juste à euh, effectuer une pression et on arrive à, à virer le petit sachet. Alors, jette un petit coup d'œil rapide des lieux. Non, les Lucien, un prédateurs d'ailleurs. Ça ne nous en dit pas plus. Clac, 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 clac. Eh, ces cartes-là, ce sont celles que j'ai mis de côté tout à l'heure aussi. Euh, dans le bon sens, ce serait pas mal. Et ok, ok, ok. Est-ce qu'on va trouver ça là Ça, ça a l'air d'être des ennemis spécifiques. Ouais, ennemis spécifiques. D'accord. Et ça, ce sont des jeunes blessés, inexpérimentés. On verra. On verra plus tard. Alors, euh, la carte meneur, ça veut dire que est-ce que ce serait une très grande carte On verra. On va continuer d'avancer. Ah, carte profil. Ça a l'air d'être une grande carte. Hein. Ça veut dire que je ne vais pas avoir le choix que d'ouvrir ceci. C'est flippant. Hein ah non de Dieu. Alors, ceci, en balayant, on a des instructions. Ah ok. Enfin, je dis ok parce que... S4, gna gna, gna, scénario, scénario, bah ben, non. S1, S1, C1, C1. À l'arachnée, non, ben on est que sur du que sur du que sur du scénario ou lieu ville-village, un <laughs> Ville, village Allez, j'avance, on verra. Le moment vient du statistique du chef d'alliance, ok, qui diffère de celle de la carte ennemie standard. La carte profil, voire carte mission, est utilisée pour caractériser un ennemi particulier tandis que les cartes ennemies standards sont utilisées dans la plupart des missions. Ah, ok. Carte profil, là, ça va être lié à, à ce scénario-là. Les cartes ennemies. Pour voir comment fonctionnent les cartes ennemies, vous pouvez lire leur partie dans le livret de règles ou continuer à lire. OK. Et la carte numéro 3, donc une carte mission. Dans ce cas, la carte 3 contient des règles spécifiques. Pour la mission, elle indique l'objectif des héros et des ennemis, la condition de défaite et une règle spéciale. Objectif des héros, récupérer le médaillon du marchand avant la fin du temps imparti. Objectif des ennemis, attaquer les héros. Condition de défaite. Si au moins trois héros sont KO, on va lire le 1-0-7. Les héros n'ont pas récupéré le médaillon avant... 8 heures. Même chose, ça nous renvoie au paragraphe où l'on échoue. Règle spéciale il y a un événement lorsque l'aiguille des minutes atteint le secteur du Scorpion. Défaussez le jeton événement et disait 1-3. Les actions de la mission. Pour deux temps. Seulement si un héros est adjacent ou dans la case rouge du point de concentration et qu'il n'y a plus d'ennemis sur le champ de bataille, lisez 1-4. Continuez votre activation. Alors oui, effectivement. Là, on voit qu'on a un point rouge. Là, on voit qu'on a un point bleu. Ça veut dire que... Le point bleu, c'est euh, le petit bout tueur. Et le point rouge, ce serait une référence au... au, 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 au tchouk, tchouk. Adjacent, ouais, dans la case du point rouge. Point de concentration. D'accord, c'est ça le point de concentration. Euh... Et c'est ce qui nous manquait, hein, le point de concentration. Alors, pour l'instant, je vais le placer là. Enfin, je vais mettre un pion rouge comme ça, et on verra. La mission commence, il est temps de passer à l'action. Tout d'abord, nous devons déterminer quelle figurine sera activée, et ce qu'elle pourra faire, voire activation des figurines. OK. Comme nous l'avons dit, l'aiguille des minutes active le secteur qui suit le chiffre romain, en l'occurrence le bélier. Tant que le secteur contient des jetons d'activation, l'aiguille des minutes ne bouge pas. Lorsqu'il n'y a plus de jetons d'activation dans le secteur actif, l'aiguille des minutes se déplace jusqu'à ce qu'elle atteigne un secteur contenant le jeton suivant. Qui est le premier à s'activer Les figurines sont activées dans l'ordre de la rapidité de la valeur la plus élevée à la valeur la plus faible. Ah On a Valerio, Sofia, Vincenzo et Rebecca. Putain, j'ai dit tous les prénoms sans me planter, je crois. C'est Rebecca. Vincenzo, <laughs> on est bon. Sophia, on est bon. Valerio, on est bon. Et Rebecca, on est bon. Alors ce qui peut être intéressant, ça aurait été de les placer dans l'ordre de rapidité. Et là, ça n'a aucun intérêt. Ils ont tous la même valeur de rapidité. Donc la rapidité, c'est ça ce symbole-là, 5, 5, 5, 5. Est-ce que lorsqu'on fait évoluer nos héros à un moment ou à un autre, on va changer de, de valeur de rapidité 5, 5, 5, bah non. Never. Quel est l'intérêt Toujours 5. On s'en pose des questions en découverte. Hein. Bon, toujours 5. Sinon, je les aurais placés de la gauche vers la droite en valeur de rapidité. Donc là, il n'y a, a pas lieu. Il n'y a pas lieu. OK. En cas d'égalité entre deux héros, les joueurs peuvent choisir librement l'ordre dans lequel ils s'activent. Par contre, en cas d'égalité entre deux ennemis, les joueurs choisissent l'ordre dans lequel ils s'activent de la manière qui semble la plus avantageuse pour les ennemis. Si l'égalité se situe entre un héros et un ennemi, les ennemis s'activent toujours en premier. À ah la vache D'habitude, dans ce type de jeu, c'est plutôt priorité aux héros. Là, ce sera priorité aux ennemis. Pour notre premier coup, activons Sophia, qui peut toucher un ennemi à distance grâce à ses talents de lanceuse de couteau. Ce tour-ci, elle visera le tueur. Salut Bousti Putain, le coup de flip j'ai cru que Boosty rentrait avec une proie dans la gueule. Tout va bien. Boosty, dès qu'il y a de la baston, hein, il se pointe, hein, c'est fou, mais c'est pas toi de jouer. C'est Sophia qui va jouer. Alors, dans ce cas-là, lorsqu'elle est activée, Sophia génère un nombre de points d'action, symbolisé par le sablier égal à sa valeur de rapidité, soit 5. La rapidité, c'est à la fois pour savoir qui s'active entre les, les héros et les ennemis, s'ils si se trouvent à être sur le même secteur, et ça nous détermine aussi le nombre de points d'action que l'on a. Ces points d'action peuvent être dépensés pendant son activation pour diverses actions telles que se déplacer et attaquer. Après avoir annoncé son action, mais avant de la réaliser, vous devez avancer le jeton d'activation de Sophia d'un nombre de secteurs égal au nombre d'actions dépensées. Sophia, comme tous les autres héros, peut continuer à réaliser des actions tant qu'elle en a suffisamment en points à dépenser. Mais elle ne peut jamais réaliser d'actions nécessitant plus de temps qu'elle n'en a. Donc. Ah OK. Ici on voit que le Stradio se trouve être derrière le buisson et l'arbre alors que le tueur est situé sur la case d'interaction. Ici on nous demande de placer Sofia en haut à gauche, Valerio à sa droite, Vincenzo en bas à gauche et Rebecca à la droite de Vincenzo. OK. Pourquoi on a un truc rouge là On ne sait pas encore. Sophia se déplace de deux cases comme indiqué dans l'image ci-dessous, dans l'image ci-dessous, en dépensant deux temps. Alors attention, hein, là mécaniquement, et je pense que j'oublierai, mais alors d'une force monumentale, avant l'action, on déplace de deux Sophia. Elle fait un Ah non, elle ne fait pas. riche calme-toi. Elle fait un, deux. A priori, on ne se déplace pas en diagonale. J'ai dépensé 2. Elle fait un, 2. C'est bien ça. <laughs> euh, nombre de points d'action. Avant de la réaliser, on déplace le jeton d'activation, c'est bien ça. L'arme utilisée par le héros indique la caractéristique à utiliser pour réaliser une attaque physique. Dans le cas de Sophia, c'est sa dextérité. Alors, la dextérité de Sophia, elle a 3, peut donner un bonus au héros ou un malus à cette caractéristique. La caractéristique du héros modifiée par l'arme si nécessaire représente le nombre de dés à lancer pendant le test d'attaque, dans ce cas 3 dés. Elle utilise ses couteaux de lancer. Déjà, ça va lui coûter 3 temps. Ça va lui coûter 3 temps. On cible un Bounoum euh dense. Ouais, ou qu'une seule cible peut-être sur une distance de 1 à 4 cases et ça, ah ouais, ok, ça c'est le même symbole que ici, ça ne rajoute pas de dés en dextérité. Alors, pareil, une chose qu'il va falloir se mettre en tête, je ferai peut-être un petit mémo là, c'est les noms A ah, ou au-dessus là. Rapidité, dextérité, trucmuche, machin bidule et euh, santé. Parce que j'aime utiliser les bons termes au fur et à mesure d'une partie. Donc, on est censé prendre 3D pour Sophia. Normalement, vaincre un ennemi peut donner lieu à une récompense en carte réactif qui augmentera le butin de la mission. Dans ce tutoriel, vous pouvez ignorer cette règle, mais assurez-vous de vous familiariser avec le fonctionnement du butin. Oui, d'accord, avant de commencer la campagne. Chaque dé affichant un nombre égal ou supérieur à la défense physique de l'ennemi s'intéresse au tueur. Sa défense physique est de 5. Chaque dé supérieur à 5 ou égal posera une blessure au tueur. Attribuer au tueur un dégât pour chaque succès obtenu par Sophia. Si un ennemi reçoit un nombre de blessures supérieures ou égales à sa valeur de santé, à ah la vache, ils ont 5 les deux là Comme nous Ok, ils sont balèzes. Donc si on dépasse sa valeur de santé, quick. Ou si on est supérieur ou égal. Attention, dès qu'on atteint 5, il quick. Lorsqu'il n'y a plus de figurine d'un certain ennemi sur le champ de bataille, retirez également son jeton d'activation sur l'Eurologium. Pour les règles détaillées sur les attaques de héros, voir la partie attaque sous héros dans le livret de règles. Donc, notre tueur là, ouais, ok. Avant de lancer les dés, déplacer le jeton d'activation de Sophia de trois secteurs. C'est le coup en temps pour utiliser son arme. Oui, c'est ce que j'ai vu ici. On a trois sabliers avec les couteaux de lancer. Un, deux, trois. Donc, horologium, carte, euh, ouais, terrain horologium terrain, horologium terrain, horologium terrain, va falloir que je me le répète un certain nombre de fois pour être bon. Donc ça veut dire que là, je dois faire, on n'a que du D8, ben, je dois faire euh, tout le temps supérieur ou égal à euh, 5. Oh, on déconne Wet, wet, 5. Donc, on a dit que chaque dé affichant un nombre supérieur ou égal à la défense causera une blessure au tueur. Là, je lui pète 3 blessures. Si Sophia inflige au moins un dégât, le joueur qui la contrôle doit augmenter son niveau de menace de 1. Si Sophia inflige au moins 3 dégâts, elle obtient un coup critique. Dans ce cas, elle inflige un dégât supplémentaire. Et son niveau de menace est augmenté de 2. 1 pour avoir infligé au moins un dégât et un pour avoir obtenu un coup critique. Sur le péridium, c'est exactement ce cas de figure-là parce que j'ai infligé un dégât. Et 3 blessures, ça veut dire un niveau de menace supplémentaire. Quel que soit le nombre de dégâts infligés par l'attaque de Sophia, passons à l'activation de Valerio. Ouais mais euh, non. Pas d'accord. Moi je prends un jeton non pas de valeur 1 dégât, mais de valeur 3 dégâts sur le tueur. Alors euh, il faut penser que sur un même scénario et sur la carte, on pourrait très bien avoir 3 tueurs et 2 Stradio. Donc les points de dégâts il va pas falloir les comptabiliser sur les petites cartes mais plutôt sur les figurines concernées. Donc passons à l'activation de Valerio. Tout d'abord, placer un jeton blindé sur son bouclier comme indiqué sur la carte équipement bouclier. Valerio. La carte équipement bouclier. Au début de votre activation, s'il n'y a pas de jeton blindé sur cette carte, placez-en un sur celle-ci. Euh, un jeton blindaxe. C'est quoi le jeton bouclier Bah, on va, on va prendre. Alors, c'est forcément quelque chose de bénéfique. Qui serait, qui euh, serait quelque chose comme ça. Tiens, bah. Voilà, un jeton bouclier. Donc, mécaniquement, au début de son activation, s'il n'y a pas de jeton blindé, on en met un. D'accord. Ça impliquerait que, visuellement, pour la fiche de personnage de Valerio, Peut-être que je stocke la pile des jetons boucliers pour y penser. Peut-être. Peut-être que ce serait une bonne idée, Frédéric. On verra. Euh, puis Valerio se déplace sur la case indiquée en dépensant son temps. Un, deux, trois, quatre, cinq. En dépensant tout son temps. Puisqu'il a une rapidité de 5. D'abord, l'horologium pour Valerio qui fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, qui rejoint Sophia. C'est logique, puisqu'elle-même avait fait 2 plus 3. Et maintenant, Valerio fait son déplacement. Pour petit cours, 1, 2, 3, 1, 1. Attention, le narbre, il est là. Hein. Euh, un décor ne va pas prendre deux cases. Donc, euh, doc. Ah ah, quel contournement. N'oubliez pas de toujours déplacer le jeton d'activation avant de réaliser une action. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est ce que l'on a fait. Valerio a dépensé tout son temps. C'est maintenant au tour de Vincenzo d'être activé. Il se déplace sur la case indiquée en dépensant deux temps. Ah ah, Vincenzo de temps pour venir se positionner ici. Il utilise ensuite sa compétence en astrologie pour essayer d'attribuer un jeton astro. Rebecca, ah, il y a une petite faute là, sur Rebecca, en utilisant deux temps supplémentaires. Donc sa compétence astrologie, monsieur Vincenzo. Alors attention, compétence ne veut pas dire équipement. Et c'est là où on va devoir s'intéresser aux fiches qui parlent de nos compétences. Astrologie. Sur fond vert, on est bien en tant que novice. Astrologie, c'est ça Qu'est-ce qu'ils nous disent Ouais, compétence en astrologie. Euh, prière, réaliser un test pour chaque réussite. Choisissez un héros dans un rayon de quatre cases. Vous y compris, le héros choisi reçoit. Les héros choisis reçoivent un jeton astro. Hmm. Ok. Moi, je veux bien. Alors, on branle ça comment Rebecca, elle est juste derrière lui, elle est bien dans un périmètre de quatre cases, mais avant ça, ça lui coûte deux temps. Pourquoi, Pourquoi ça lui coûte deux temps Ah, bah ben oui, c'est marqué là au début, c'est une prière qui lui coûte deux temps. Ok, ça c'est fait. Pour réussir à utiliser l'astrologie, Vincenzo doit utiliser sa caractéristique de l'esprit. Et en esprit, c'est le tétio, il a 3. Comme on le voit ici même. Ça, c'est la caractéristique esprit. Comme indiqué dans la description de la compétence, et obtenir au moins un résultat de 5. Plus. Comment ça obtenir un résultat de 5 plus euh, Où est-ce qu'on le voit ça Oula, attention Ils ont des compétences passives. Ah, la vache. Au moins, un résultat de 5 plus. Pourquoi Ah, bah, c'est peut-être parce que c'est euh, tout le temps comme ça. Étant donné que Sofia et Valerio sont dans un rayon euh, correspondant à la prière, si Vincenzo obtient plus d'un succès, il peut leur assigner un jeton astro. À ce stade, Vincenzo n'a dépensé que 4 de ses 5 temps, mais il renonce à utiliser le dernier afin d'anticiper sa prochaine activation. Ok, bon. Alors. Avoir dans le paragraphe des règles qui concernera les compétences. Toujours est-il que s'il a 3, il jette 3D euh, et obtenir au moins un résultat de 5 bus. Ah oui, quand on utilise une compétence, c'est peut-être le minimum par défaut en nombre qu'il faut obtenir. Alors il a un 7, un 4 et un 1. Ça veut dire qu'il n'a qu'un seul succès, donc il ne peut attribuer qu'un seul jeton Astro sur un de ses petits camarades. Et Astro, c'était ça, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ces pions-là, au même titre que les pions boucliers pour euh, Valerio, il faudrait que ces pions-là soient attribués sur les. sur la feuille de Vincenzo. Et Mistinguette, Rebecca, elle n'a pas encore joué. C'est à elle au moins que c'était <laughs> utilisé. Rebecca, ouais, c'est ça. Pour Rebecca. Donc, euh, c'est à Rebecca de jouer. Tout d'abord, elle dépense deux temps pour se déplacer de deux cases, afin que le tueur soit dans son rayon de distance pour son attaque psychique avec flèche arcanique. Donc ça implique que Rebecca vienne là 1 de mai de temps avant. Une attaque psychique fonctionne légèrement différemment d'une attaque physique ou d'une prière. Un nombre minimum de succès est nécessaire pour activer son effet. Alors là, on parlerait de quoi Oups. On parle de sa flèche arcanique. C'est-à-dire celle-ci. C'est un tour de magie. Distance de 1 à 6. Ah, et les distances, pour les comptabiliser, on faisait euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On déplaçait comme ça. Ok, alors attention, j'entends Boosty miauler bizarrement. Coucou. Ah bah il flotte Ah bah il flotte en Touraine <laughs> Voilà pourquoi il est pas content le petit Gabousti. Euh, donc bref, 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 ça coûte 3 temps pour euh, utiliser la flèche arcanique. Donc 1, 2, 3, elle rejoint Sophia et Valerio. Euh, non, c'est pas ça que je vais retourner, c'est ça. En général, un nombre plus élevé de succès ne modifie pas le. Ne modifie pas le. Le quoi ça Le, quoi, le point de classe Ah bon Le symbole là euh, éclaire, c'est le point de classe. Tandis qu'un nombre plus faible signifie que l'attaque ne réussit pas. Rebecca doit utiliser un test d'esprit. Elle a quatre en esprit. Ouais. Et obtenir au moins deux succès. Ah ouais, ok, c'est là. C'est là, c'est là. Test d'esprit et deux succès. Ok, et ce, ce, ouais, ce petit symbole-là. Avec euh, bleu, et parce que sur le plateau joueur, et eh ben esprit, c'est là, ce point-là bleu. J'avais pas souvenir de ça avec euh, ciné temporé, alors ça fait peut-être partie des modifs, ou ça fait peut-être partie de euh, mon oubli. Donc, elle a 4 dés ce coup-ci. Comme pour les attaques physiques, le seuil de succès est égal à la défense mentale. Le tueur a 5 en défense mentale. D'accord, alors le tueur, il a 5 en défense physique et 5 en défense mentale, point bleu, alors que le stradio a 6 en défense physique et 5 en défense mentale. D'accord. Corps, donc je dois obtenir au moins euh, 5. 6, 1, 1, 6, ça fait 2. Dans ce cas, il est de 5 ⁇ OK, si l'attaque est réussie, attribue au tueur la bonne quantité de dégâts. La bonne quantité de dégâts. Donc 2. Et retirer sa figurine du champ de bataille si elle a autant de dégâts que sa valeur de santé de 5. Ah, bah oui, là pour le coup, oui. Puisque il avait déjà 3 blessures. Plus 2. égale, égale... Ah, hop, hop, hop. Alors attention, hein. Avant de lancer des dés, euh, il faut faire gaffe, mais certaines cartes équipements vont nous donner des dés supplémentaires. Là, ce n'était pas le cas. Et en cas de réussite, ça veut dire qu'on ferait deux dégâts. C'est ça le, le truc. Bon, pour l'instant, on ne s'inquiète pas des symboles. Hein. Mais si sur mes succès, je suppose que j'avais eu un, un éclair, ça aurait euh, fait tel truc. Bon, toujours est-il que lui. Il Est out. Si Rebecca inflige un dégât, le joueur qui la contrôle doit augmenter son, ah, son périlium de 1. Veuillez noter que les attaques psychiques n'infligent jamais de coups critiques. Allez, bim, petite règle supplémentaire à se souvenir dans les mémos. En tout cas, elle vient d'abattre un ennemi. Elle a c'est parce qu'elle a infligé un dégât. À ce stade, le secteur actif de l'horologium est vide. Oui, Bélier est vide. L'aiguille des minutes commence donc à se déplacer. des minutes commence donc à se déplacer tourner l'aiguille jusqu'à ce qu'elle atteigne le secteur avec le jeton d'activation du tueur donc taureau lorsqu'un ennemi est activé il génère un nombre de temps égal à son à sa rapidité comme un héros le tueur aurait pu avoir 5 en rapidité comme le stradio d'ailleurs Le tueur a 5 de disponible. Avancer son jeton d'activation de 5 secteurs, quel que soit le nombre de temps qu'il utilisera pendant son activation. Ah oui, contrairement au héros, à chaque fois qu'on en vient à activer un, un ennemi, on dépense tout son temps sur le compteur. À part que là, il a été tué, donc je, je suis censé enlever son jeton d'activation. Parce qu'il n'y a qu'une seule figurine. Hein. Si on avait eu trois figurines, le jeton d'activation serait resté. Donc avancer son jeton d'accord, les ennemis agissent en fonction de leur intelligence artificielle qui est basée sur la zone de contrôle et sur le niveau de menace des héros. Tout d'abord, vérifions quel héros se trouve dans la zone de menace du tueur qui est de 6. Alors, on va considérer que malheureusement, le tueur n'était point mort. Donc, son jeton d'activation arrive... Ici. Et il a une zone de menace de 6. Ah ouais Zone de menace de 6 pour le tueur alors que le stradio qui se bat au corps à corps a une zone de menace seulement de 3. Le tueur armé de pistolet peut viser et tirer plus loin que euh, quelqu'un au corps à corps. Pour l'instant, Vincenzo est le seul à se trouver à l'extérieur de la zone imaginaire appelée euh, niveau de menace. Ah, ouais. Pourquoi c'est le seul à être situé en dehors, Vincenzo Il est là. Ah, parce qu'il ne le voit pas. Parmi les trois autres héros qui se trouvent dans la zone de menace, celui qui a le niveau de menace le plus élevé est choisi comme cible, c'est-à-dire Sophia, parce qu'elle a un niveau de menace de 2 sur son périlium. Donc Sophia est en ligne de vue comme les deux autres, mais c'est Sophia qui a le niveau de menace le plus élevé. Objectif des ennemis. Au cours des missions de la campagne, vous serez confronté à des ennemis dont les objectifs ne sont pas d'attaquer les héros. Pour savoir comment ces ennemis agissent, reportez-vous au schéma de l'intelligence artificielle ennemie dans le manuel. À ce stade, vous pouvez vous retrouver dans l'une des quatre situations suivantes en fonction du résultat des attaques de Sophia et de Rebecca. Seule Sophia a infligé au moins un dégât. Seule Rebecca a infligé au moins un dégât. Sophia et Rebecca ont infligé toutes deux un dégât. Aucun héros n'a infligé de dégâts. À part que là, Sophia a infligé au moins un dégât, mais son niveau de menace est supérieur de toute façon tandis que celui de rebecca valerio serait de zéro. l'ennemi choisit sophia comme cible, estimant qu'elle est la plus dangereuse. Euh, en fait, dans le, la découverte là du tuto, ça représente un seul tour de jeu. tous les facteurs de choix de la cible ne s'appliquent qu'en cas d'égalité. donc, si un facteur ne peut être appliqué ou s'il y a toujours égalité, utilisez le facteur suivant et ne comparer que les figurines à égalité. Oui, là c'est ils font référence au, euh, à l'intelligence artificielle. Hein. En cas d'égalité. Alors, on a ça. Le profil d'attaque du tueur indique le type d'attaque qu'il utilisera sur sa cible. Le tueur dispose de deux attaques différentes, une à distance et une à mêlée. Ah Un ouais. Régie par la compétence éclectique. éclectique. Ah ouais, ok. Ici. Cette compétence permet au tueur d'utiliser son attaque à distance, celle de gauche, tant que l'ennemi n'est pas adjacent. Une fois adjacent à un héros, il utilise l'attaque de mêlée, celle de droite. D'accord. Et point rouge parce que ça fait référence à une attaque au corps... Au... Ça fait référence à la défense. Ah bah il est marqué là le point rouge. Indique qu'il s'agit d'une attaque physique. Ah d'accord. Le héros doit donc se défendre avec sa caractéristique physique. Symbolisé par la mano. Sophia en physique, elle a 3D. L'ennemi dépense 2 temps pour attaquer. Ok. Le rayon de l'attaque, c'est de 1 à 3 cases. 1, 2, 3. Là, il n'est pas censé pouvoir m'attaquer. Ah oui, il faut pas confondre la ligne de vue enfin la distance à laquelle un ennemi peut nous voir et la distance à laquelle il peut nous attaquer. Là, c'est de 1 à 3 cases. Le nombre de coups que le héros doit esquiver, on doit esquiver deux touches. 2. Ah oui, d'accord, on ne lance pas les dés pour savoir si les ennemis réussissent à nous toucher. Et ensuite, on se protège, mais on sait que par défaut, à distance, il inflige deux coups, au corps à corps, il infligera trois coups. Lui, au oh putain, au corps à corps, il infligera quatre coups. Donc après, à nous de, dépense, de lancer nos dés pour contrer les coups obtenus. Et le seuil de succès pour le test de défense 6 plus. Donc là, je dois parer deux coups à 6 ⁇ Les caractéristiques de l'attaque en F transpercée qui doivent toujours être appliquées. Et enfin, en G, on a les effets de l'attaque à appliquer uniquement sur l'attaque inflige, si l'attaque inflige au moins un dégât. Ok, donc notre Bounoum là. Les attaques ennemies touchent toujours les héros, c'est à vous de les esquiver. Voilà, c'est ça. C'est l'un des avantages d'être un méchant. Si Sophia est la cible de l'attaque, le tueur se déplace d'une case et attaque. Il dépense un temps pour se déplacer et deux temps pour faire son attaque à trois distances. Ok. Pour la première attaque et deux temps pour défausser le jeton rechargé. Rechargé deux. Hein, et ouais. La perte du temps. Ok, je comprends pourquoi on a déplacé de toute façon son jeton d'activation de 5. Là, on est, bien, hein, on est bien à 1 plus 2 plus 2 égale 5. Si la cible est Rebecca, là, ce n'est pas le cas. Donc, euh, Sophia doit réaliser son test de défense en lançant 3 dés de défense physique pour esquiver à on a dit 6 plus 5 8 3 elle ne fait qu'une seule esquive chaque succès euh, chaque dé donnant 6 plus est un succès vous permet d'éviter un point de dégâts grâce à la caractéristique rechargée de 2 de son attaque le, le tueur reçoit un jeton déchargé. Ah ouais Ok, un jeton déchargé. Bon, On verra ça. Euh, dès qu'il a deux temps de disponible, l'ennemi le dépense pour défausser le jeton. À ce moment-là, l'aiguille des minutes reprend son mouvement. Alors attention, pour l'instant, Miss euh, Sophia vient de se prendre un point de dégâts. Donc, on le met là. Alors ça va pas être dur de s'en rappeler, tout le monde a 5 points de vie. Donc ouais, en comptabilisation, on pourrait les mettre là. Et à ce moment-là, l'aiguille des minutes reprend son mouvement pour arriver sur ce secteur-là, jusqu'à atteindre le secteur du lion qui contient actuellement les jetons d'activation de Vincenzo et du Stradio. Ouais, tant qu'on n'a aucun jeton d'activation, on va chercher le secteur suivant. Comme nous le savons déjà, en cas d'égalité sur le secteur de l'horologium, les ennemis agissent toujours en premier. Donc, le chef de l'Alliance est la prochaine figurine à s'activer. Aha Comme pour le tueur à gage, avancez le jeton d'activation du chef de l'alliance de 5 secteurs, quel que soit le nombre de temps qu'il utilisera. Ensuite, nous vérifions ça, 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 ça. Sa trucmuche qui est de 1. Euh... Alors, qu'est-ce qui est de 1 C'est quoi son symbole pour essayer de déterminer sa cible. Dans sa carte, qu'est-ce qu'il a en valeur de... C'est ça, sa valeur de... Non. c'est tout petit. Comme il n'y a pas de héros sur ça, le chef de l'alliance se déplace vers le héros le plus proche. Euh, bon, à ça à retrouver. Alors, est-ce que ce serait ce, cette chose-là N'oublions pas que nous avons le, les icônes. Est-ce que je vais la retrouver Alors, c'est pas la portée, a priori. Quoique, cible, non. Portée, non. Tchouk, touk touk. Bon. Ça c'est qu'une question de terme, ça reviendra. Toujours est-il que le petit bonhomme là, eh ben, eh ben, eh ben, euh, il se déplace vers le héros le plus proche, donc Valerio en dépensant deux temps pour le déplacement de deux cases, une deux. Et là maintenant, il se trouve à être au corps à corps. Ah ouais, c'est ça que je faisais parfois avec Ciné Temporé. Je couchais les, les éléments de décor pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Le profil d'attaque du chef d'alliance indique que Valerio doit réaliser un test de défense physique en dépensant un nombre de dés égal à sa caractéristique. Il a 4 en défense, afin d'esquiver deux touches. Ah ok. Pff, je suis en train de prendre le Stradio là, mais en fait... C'est vrai que je n'avais pas trouvé la fiche du meneur. Donc là, on s'intéresse au meneur. En fait, il y avait trois Bounoum. En fait, ça, ce n'était pas la bonne carte. Il fallait la carte meneur. Ok. Ce qui fait que. Il infligerait deux coups, par contre. Je dois obtenir 7 plus avec 4D. Valério! Ah, il faut penser que Valerio, sur sa carte, il a son jeton de défense. Rien, 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 rien. Zut. En lançant le nombre de dés égal à sa caractéristique afin d'esquiver les deux coups du chef d'alliance, chaque résultat de 7 empêchera un dégât. Valerio peut utiliser le jeton blindé sur son bouclier pour obtenir automatiquement un succès. Lors de son test de défense, même après avoir lancé les dés et s'apercevoir qu'il a fait une bouse. Et il peut assigner le premier dégât qu'il reçoit à son armure, puisqu'elle a une résistance de 1. Tiens, la dernière fois que j'ai utilisé cette mécanique, c'était avec Heredity, quand j'ai fait la campagne. Donc là, je me prends deux dégâts, mon GD foireux, je dépense bouclier pour annuler un dégât. Euh, non, je dépense blindé pour annuler un dégât et sur le bouclier on voit que on voit quoi? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ah, son armure pardon. Sur son armure puisque on a le mot clé 1, j'ai le droit d'assigner un dégât dessus. Tac. Valerio a absorbé. Les dégâts causés par le meneur. Là, on a tout. Hein. L'indage, le mot-clé résistance. Maintenant que vous savez comment le jeu se déroule, continuez la mission jusqu'à ce que 3 héros soient KO. Ce qui, ce qui signifie qu'ils ont subi un nombre de dégâts égal ou supérieur à leur valeur de santé de 5. Si ça se produit, disait le paragraphe 1-0-7. Ou bien jusqu'à ce que l'aiguille des minutes de l'horologium atteigne le secteur scorpion qui contient le jeton événement. Ah oui À ce moment-là, lisez 1-0-3. Alors là, sur le print. Alors après, ça nous emmène nous. Héros Chaos. On verra. Et on arrive sur le dernier point. Ok. Euh, donc, 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 si je continue la mission, notre meneur a joué. Là, j'ai maintenant Valerio. Valerio, il est engagé au corps à corps. Alors, à voir si on aura des zones de danger, si on peut s'en aller comme on le souhaite ou pas. Si on a des attaques d'opportunité. Ça, je verrai, moi, en détaillant les. Les règles. Mais là, c'est à Valerio de jouer ce que je veux faire. Qu'est-ce qu'il a comme arme Il a une épée. Ça lui coûte 3 temps. Moi, je tabasse. Hein. Alors, je vais reprendre mon cas de figure où le tueur était effectivement éliminé. On dépense 3 temps. Je peux faire une attaque. Au corps à corps, j'ai 4 dés. Mon épée ne me donne pas de dés supplémentaires. Donc j'ai 4 dés en attaque. Et si je reprends les caractéristiques du meneur, euh, qu'est-ce que ça nous donne Ah, euh, il me faut sa défense. Meneur, il me faut sa défense. Combien il a en défense physique Bon, on va lui mettre 5. Ah non, et c'est là de profil il a 6 il a 6 en défense ok donc je dois faire du 6 plus 1 1 4 6 ça ne lui fait qu'un seul dégât donc on serait plutôt comme ça un dégât sur lui péridium je ne lui ai fait qu'un seul dégât je prends un de menace Et 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 bah, j'ai envie de dire que c'est guère tout, hein, malheureusement. Malheureusement. Ok. Il me reste deux temps pour Valerio. Qu'est-ce que je fais Je me recule. Euh, ouais. Il est là. Il rattrape le jeton activation du meneur. Le tueur, on a dit que j'avais enlevé le, le pion. Valerio a joué. Bon, je l'ai peut-être fait un peu vite, mais il faut se souvenir d'une chose, c'est que au début de son activation, s'il n'y a pas de jeton blindé, il récupère le jeton blindé sur son bouclier. Comme ça. fin euh, du tour de Valerio ça veut dire que l'on atteint le secteur Virgo et on peut faire agir Rebecca Sophia hop 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 j'ai fait une bêtise c'était euh, Vincenzo c'était pas Valerio et Vincenzo, mais il n'avait pas joué Vincenzo déjà. Peu importe. Peu importe, peu importe. Alors, mon gars Vincenzo, qu'est-ce qu'il peut nous faire de chouette Sacoche de chirurgien, il peut recevoir un jeton béni. Ok. Vincenzo, 1, 2, 3, 4, 5, tiens. Vincenzo il vient là, il fait 1, 2, 3, 4, 5, il se déplace ici et maintenant on atteint le secteur de Valerio, Sofia et Rebecca. J'ai envie que ce soit Vincenzo qui bouge de 3, puis comme on est adjacent à qui se passe là, on nous a dit que à un moment on avait le droit d'aller lire le paragraphe quelque chose. Alors je remonte le temps pour aller chercher le paragraphe. Où est-ce que c'était inscrit ça La mission commence. Ah ouais, alors. Sur la carte mission, ça devait être quelque part par là. Condition de défaite, règle spéciale. Seulement si un héros est adjacent dans la case rouge du point de concentration, on va lire. Et qu'il n'y a plus d'ennemis sur le champ de bataille. Ah, chiot, je ne peux pas l'activer parce qu'on a encore Pépère ici. D'accord, 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 d'accord. Mais admettons. Admettons que clac 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 de fil en aiguille on arrive à, à faire bouger tout ça donc Sofia là on a trois héros hein, qui peuvent agir Valerio lui n'est pas lâche mais il sait reculer pour aller protéger la zone ici sentant qu'il peut se passer quelque chose de pas bon après c'est euh, Sophia qui agit Sophia elle a aussi bien ses couteaux de lancer que son grappin pour gagner escalade. Eh ben, ça lui coûte quoi ça Gagner escalade, c'est une compétence. Tir dirigé, encadré, visé juste, parcours acrobatie. Hum. Admettons qu'elle dépense trois temps pour faire. Un, deux, ah non, même que deux temps pour se déplacer là, et puis le reste de son activation, elle utilise le grappin pour se mettre sur le toit. Considérons que ça lui est cramé toutes ses actions. Euh, elle se prépare à, au déplacement du meneur, mais nous reste Rebecca. Et Rebecca, par rapport à ses, ce qu'elle peut utiliser, elle a même une dague elle a combien en esprit elle a 4 admettons que et ça lui coûte 3 temps donc oui elle pourrait faire 2 déplacements lancer ses 4 dés et imaginons qu'elle ait fait un jet de folle furieuse on ne sait pas par quel biais mais au lieu de 4 points de vie elle inflige 5 points de vie au petit bonhomme donc là, elle aurait tout consommé. Parce que je veux voir ce qui se passe quand on arrive là. Donc là, je suis dans mon truc. Alors, en ayant tué le meneur, ça veut dire que Rebecca aurait eu aussi un point de périlium, euh, un point de menace sur son péridium. Plus un parce qu'elle a infligé. Non, attention, on a dit que le point de péril supplémentaire n'était infligé que sur des critiques en physique, pas lorsqu'on utilise des attaques psychiques. Oui monsieur, je me rappelle de ça. Donc on en arrive à la fin du tour de tous nos héros. Et là, patatras, il se passe un truc puisqu'on atteint le, le, fameux, le fameux symbole. Alors, pour ça... Pour ça, pour ça, pour ça, on va en 1-0-3. Alerté par le combat en cours, une sorcière sort de la hutte. Placez la figurine de la gitane. Prenez la figurine de la gitane et placez-la sur la case marquée point jaune. Sur la carte ou si elle est occupée sur la case disponible la plus proche. Euh, la gitane Prenez sa carte ennemie, placez-la à portée de main de tous les joueurs. Placez son jeton d'activation dans le secteur suivant le secteur actif. Donc là, son jeton d'activation arriverait en Sagittaire. Hop, continuez la mission en suivant le cours normal du jeu jusqu'à ce que la gitane soit activée. Alors la gitane... Ah ouais, c'est elle. C'est elle, la dame. Donc pile poil. Oula Elle arrive là, Sophia, est-ce que tu serais capable de lui sauter dessus Je pense pas que ce soit une action euh, possible. Donc là, on a activé ça. Ça s'enlève. Le jeton de la gitane serait ici. Tiens, toi t'es mort. Alors, on irait chercher le jeton d'activation. Si. Eh ben, pile poil là. Et comme c'est symbolisé pour un ennemi, ça veut dire que même si on a alors Valerio et Vincenzo sur le secteur du Sagittaire, c'est la Gitane qui s'active en premier. Elle choisit sa cible comme d'habitude, mais les héros se défendent contre une attaque psychique bleue. Attaque psychique bleue. Ça lui coûte 4 temps. 1, 2, 3, 4. Admettons que sur son profil, sur sa carte, elle est 5. De toute façon, on n'oublie pas qu'elle consomme son cinquième dans tous les cas de figure. On doit se défendre de... On doit se. Alors oui, c'est ça, va falloir euh, bien nommer les choses. C'est-à-dire qu'elle dépense 4 temps pour cibler de 2 à 6 de distance pour infliger deux coups. On s'en protège à 5+ plus en physique. En Après, on a des choses spéciales. Hein. Que... La cible de la gitane réalise un test de défense basé sur sa caractéristique esprit. Elle doit obtenir un certain nombre de succès supérieur ou égal à 5. Euh... Ah oui, on doit obtenir deux succès supérieur ou égal à 5. Le seuil. 5, plus. Si le héros réussit ce test, l'effet de l'éclair de l'attaque psychique est complètement annulé. Ah ouais, l'effet éclair. Si le héros réussit ce test, l'effet éclair de l'attaque est complètement annulé. C'est là où on va s'intéresser. Ah ça, on a la lune, le soleil. Lune, soleil, lune, soleil. Ah bah ben non. Vas-y, ouais. Un éclair ça. Ah il n'y aurait qu'un seul. Euh... Ah mais tous les dés n'ont pas les mêmes symboles sur les mêmes chiffres. C'est moi qui délire ou pas Ce serait étonnant pas mon genre. Pourquoi j'ai vu un 8 Là, il y avait un soleil. Ah, c'est que ça, on dirait que ça a en partie effacé. Bon, à voir. Sur ces dés-là, ça, Là, ce sont peut-être simplement des dés euh, stretch goals. On détaillera. Bon, toujours est-il que... Éclair égale deux blessures annulées. En revanche, s'il obtient moins de deux succès que nécessaire, il subit l'effet éclair dans son intégralité, donc la brûlure. La principale différence entre les attaques psychiques et les attaques physiques est que les premières n'ont pas d'effet partiel. Elles dépendent entièrement du nombre de succès nécessaires pour les réaliser ou les esquiver. Une notion qu'il va falloir prendre en compte pour pas se planter. Draft des ennemis. L'apparition de nouveaux ennemis peut se faire comme dans cette mission ou par le biais d'un draft des ennemis. Pour réaliser un draft des ennemis, vous utiliserez les cartes de draft indiquées par la mission. Une fois qu'un héros est adjacent à la case du point de concentration, il peut dépenser deux temps pour lire 1.0.4. À part, que, euh, à, part que, à part que, on avait dit qu'il ne fallait plus qu'il y ait d'ennemis dessus. Admettons qu'on ait bousillé la gitane. Tiens, ça me fait penser, là, vous entrez dans la maison. Ça, ça veut dire que ce n'est pas seulement un décor euh, pour nous permettre de monter dessus et d'avoir des options tactiques. Mais on peut interagir avec. Avec le décor en lui-même. Là, vous entrez dans la maison. Par une fenêtre ouverte. Ah ouais. À la vache, chaque héros se trouvant sur la pointe de concentration ou adjacent à celle-ci peut dépenser le montant de deux temps pour rentrer dans le bâtiment. Ah ok, ça sert à ça le point de concentration. On considère que on va rentrer dans la baraque. Les cartes lieux, voire les cartes mission, sont des cartes spécifiques présentant une image de ce que les héros voient à l'intérieur d'un bâtiment. Ah ok, 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 c'est symbolisé par une carte et on, on a le visuel. Et après, on peut dépenser des temps. Qui vont nous permettre d'interagir dans le lieu prévu. Alors d'accord, on ne fait pas ça en mettant une tuile d'intérieur, d'ailleurs on n'en a pas, mais ça se base sur un visuel de carte. Tant qu'un héros a des temps disponibles, il peut interagir avec les éléments mis en évidence sur la carte. Le symbole D indique une interaction qui ne peut être effectuée qu'une seule à la fois. La mission vous indiquera quand placer un cube interaction. Ok, ça c'est un cube interaction. Sur la carte lieu pour bloquer l'interaction. D'accord, donc les cubes comme on a sur nos, sur nos fiches de héros. Ok, et donc on va avoir des paragraphes qui vont nous détailler ce que l'on voit. Ce qui nous amène à un paragraphe où on pourrait perdre si on a trois héros qui sont tombés. Vos ennemis sont trop forts pour vous. Euh, trop de bruit, vous ouvrez le coffre, vous faites trop de bruit, vous déplacez les objets avec précaution. Mais, 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 félicitations. Vous venez de faire vos premiers pas dans le monde de Nova Aetas. Quel que soit votre résultat, vous pouvez maintenant commencer la campagne en commençant par la mission 00 Prologue. La campagne est composée d'une série de missions notées qu'elles se ramifient en fonction du résultat de chaque mission. Il n'est donc pas nécessaire de gagner à chaque fois. Vous continuerez toujours l'histoire jusqu'à ce que vous atteigniez l'une des huit fins possibles à la vache. Nous vous recommandons de lire la section campagne du livret de règles pour apprendre à mener une campagne. Les missions de campagne sont généralement composées de quatre phases. Voyage, au cours de laquelle vous serez confronté au danger du déplacement d'un lieu à un autre. Mise en place, la mission elle-même. Repos, qui vous permet de guérir de vos, de vos blessures et de développer vos héros en achetant de nouvelles compétences, en accédant à une classe avancée et en fabriquant de l'équipement. Qu'attendez-vous L'aventure vous attend. Mais oui, fin de cette... Découverte par le biais du tuto. Bon. Bon, 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 bon. Ce qui me vient à l'esprit après les toutes premières découvertes de chaque jeu, c'est usine à gaz ou pas. Attention. C'est très touffu en termes de règles, avec tout un tas de petits points de règles à faire attention, notamment... Périllium, je tue quelqu'un. Si c'est physique et que j'ai fait un critique, ça rajoute un point en plus. Attention, je vais avoir des objets à utiliser d'une certaine manière et des jetons liés aux objets ou des jetons liés au sort que je vais lancer. L'horologium en soi, rien de bien méchant, franchement. Je déplace mes jetons en fonction du temps que je consomme pour les héros, le temps complet pour les ennemis. Tant qu'un secteur est vide, j'avance. Dès que j'arrive sur un secteur où il y a un jeton, que ce soit héros, ennemi ou événement, eh ben j'applique, j'active, boum, boum, boum. Il faudra faire attention à cette aiguille-là. Il peut aussi déclencher des choses en lien avec le scénario. Donc, l'horologium en soi, allez, on va dire même pas peur. Techniquement, l'utilisation des dés pour obtenir des succès en fonction des attaques ou des défenses, ça devrait se faire. Sur le terrain, avoir les particularités des lignes de vue, des déplacements. Ça, on va être sur du dungeon crawler un peu, un peu classique. Très bonne surprise le fait d'interagir et puis d'avoir des cartes qui vont nous permettre d'autres actions narratives que uniquement la baston tactique. Donc tout ça c'est très très bien. Les cartes de nos ennemis, bah, ma foi pas mal. Hein. C'est un apprentissage de lecture à faire. Ah, c'était ça c le symbole que je ne savais pas tout à l'heure. Et oui, c'était ça, c'était la. Le niveau de menace autour du personnage ennemi. 3 pour le corps à corps et le tireur, on avait dit qu'il avait 6 autour de lui. Ok, donc ça, ça va se faire. C'est un apprentissage. Euh, et puis, alors, ouais, quand même, pour chacun de nos héros, attention parce qu'on va avoir tout un tas de compétences à utiliser. Hein. Donc, on a les compétences, l'équipement. Ça, qui va augmenter d'une façon ou d'une autre. Donc, on est à la limite de l'usine à gaz. Attention. Mais, je m'en suis très bien tiré avec Ciné Temporé. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas avec euh, Nova euh, On a aussi les cartes d'aide... Qui font référence à nos héros, hein. donc en fait, ça va impliquer de bien lire toutes les cartes, enfin, bien les lire, du mieux qu'on le puisse en tout cas, mais au moins les lire deux, trois, quatre fois pour que on se dise Ah, ouais, alors ok, avec Vincenzo on peut faire ça, 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 avec euh, un, un tel on peut faire ça, 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 Valerio, etc., etc., et par contre. Il y a une question qui me vient, c'est à partir du moment où on a commencé la campagne avec tel groupe de héros, c'est pas comme avec la cité maudite ou Blackstone Fortress où d'une mission à l'autre on peut interchanger. Je pourrais pas dire bah tiens pour la prochaine mission, prochain scénario, est-ce que je peux emmener ces deux-là puis j'enlève ces deux-là alors ça c'est une interrogation interrogative, il faudra que je j'avance là-dessus. À moins que vous ayez la réponse à ce stade, au bout de 2h07 minutes et 34 secondes, si vous avez tenu jusqu'ici et que vous êtes à même d'y répondre, euh, de faire feu avant que j'aie eu l'info dans les 15 jours, euh, vous l'avez peut-être fait, vous changez de héros, histoire d'amener de, de, de la de la variété, ou alors faut se dire bah, dès qu'on a commencé la campagne, de toute façon, faut vraiment y aller avec le même groupe, ce qui peut ne pas être déconnant par rapport à l'évolution. On ne perdra pas de temps d'un héros à l'autre et on pourra vraiment le faire avancer avec les points d'expérience sans qu'il y ait trop de retard. Bonne question. Ce qui m'amène à dire que ça casserait la rejouabilité parce que si j'ai envie de faire la campagne avec les quatre héros de base prévus, honnêtement, je vais pas y retourner avec euh, les quatre autres héros. Même s'il y a huit fins possibles, avec des parcours d'histoires différents, euh, s'enchaîner 27 à 30 scénarios, euh, je crois que je le fais qu'une fois. Hein. On va pas, on va pas me mentir. Allons, 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 Frédéric. Bon. Eh bien, très très content, très satisfait. Ça implique quand même de faire le mémo, d'aller chercher les, d'aller chercher les photocopies à faire pour se mettre en tête encore plus bah, tous les tous les mots clés, tous les jetons. Un petit coup de peinture lure quand même bien propre sur nos amis héros parce que ça c'est quand même super important. Donc je suis bien content, vraiment très très content de ça, ça veut dire que, comme je l'ai évoqué hier euh, au déballage, euh, j'ai bien envie de maintenir cet aspect de faire. Par exemple, hein, c'est un exemple, trois missions cité maudite, trois scénarios, euh, Nova Etas, et, et puis d'alterner comme ça, ou de raisonner par saison, pour, pour le fun, je sais pas, saison 1, cité maudite, euh, cinq scénarios jusqu'à ce qu'il se passe telle, telle chose. Et puis dans Nova ETAS, euh, saison 1, 5 missions jusqu'à ce qu'il se passe telle chose. Bref, j'ai encore de quoi cogiter, mais vous voyez, c'est bien parce que euh, je tire des plans sur la comète, et c'est ce que l'on veut avec nos jeux de société. Voilà que ça nous emmène loin, très, très loin. Bon, eh bien, chers aventuriers, je vous laisse ici. J'espère que ça vous aura convenu, et je vous dis à très vite pour d'autres... Aventures. Salut. Salut.